Pour vivre et se développer, ce microcosme qu'est l'homme est obligé de rester en contact, en liaison permanente avec le macrocosme, c'est-à-dire la nature. Il doit sans cesse faire des échanges avec elle, et c'est cela que l'on appelle la vie. La vie n'est rien d'autre qu'un échange ininterrompu entre l'homme et la nature. Si cet échange est entravé, il s'ensuit la maladie et la mort. Tout ce que nous mangeons et respirons est la vie de Dieu lui-même. Rien n'existe dans le cosmos qui ne soit vivifié, animé par l'Esprit divin. Tout vit, tout respire, tout palpite et communie avec ce grand courant qui sort de Dieu et qui inonde le monde depuis les étoiles jusqu'aux plus petits atomes. Saint Paul disait « Nous vivons et nous nous mouvons en Dieu ». Nous avons en lui notre existence. Tout est respiration, nutrition, échanges ininterrompus. Lorsque nous pensons, nous réalisons un échange dans le monde mental. Lorsque nous éprouvons des sentiments, nous réalisons un échange dans le monde astral. Lorsque nous mangeons, nous réalisons un échange dans le monde physique. Voilà pourquoi les trois processus les plus importants de l'existence sont la nutrition, la respiration et la pensée. Si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Si nous ne respirons pas, nous mourrons. Si nous ne pensons pas, nous mourrons aussi. Bien que dans ce cas, ce ne soit pas une mort physique. L'échange est la clé de la vie. Il explique que le succès et l'insuccès, la santé et la maladie, la beauté et la laideur, la richesse et la pauvreté, etc. La majorité des êtres vivent, mais à cause de la manière dont ils se nourrissent, respirent, etc., ils obstruent les canaux de leur organisme. L'échange normal entre la nature et eux ne peut donc plus se faire correctement, et ils sont malades. Il en est de même en ce qui concerne la pensée. Si notre cerveau ne reçoit pas correctement les pensées lumineuses, et s'il ne rejette pas celles qui sont mauvaises comme on rejette la cendre, les déchets, il tombe malade. Celui qui donne et ouvre son cœur réalise l'échange parfait et un nouvel intellect s'éveille en lui grâce auquel il commence à comprendre les problèmes les plus profonds.